Comme à son habitude, le prince Louis n'a pas manqué de se faire remarquer lors de sa toute première rentrée scolaire qui a eu lieu, mercredi 7 septembre 2022. C'est accompagné de son grand frère, sa grande sœur, et ses parents que le petit garçon âgé de 4 ans a rejoint les bancs de l'école Lambrook dans le Berkshire. Seulement, si le prince Louis tenait bien fermement la main de sa maman, il a refusé de tenir celle de son papa. Sur les différentes vidéos prises de la petite famille faisant ses premiers pas dans sa nouvelle école, on peut voir le prince William tenter à plusieurs reprises d'attirer l'attention de son petit dernier. S'il tenait dans une main celle de sa fille, la princesse Charlotte, il aurait également aimé pouvoir tenir la main de son fils. Seulement, ce dernier n'était pas vraiment décidé à coopérer. Le prince Louis estimait sans doute qu'il était déjà trop grand pour donner la main de son papa dans les allées de son école. Admettant sans doute sa défaite, le fils du prince Charles a seulement pris soin de passer sa main dans la tête de son fils. Mais là encore, le geste d'affection de son père ne semblait pas plaire au jeune garçon, qui a donc remué la tête. Pour son premier jour d'école, comme son grand frère, le prince Louis portait l'uniforme. À quelques mètres des marches de l'institution scolaire, il ne montrait aucun signe de nervosité. Les enfants de Kate Middleton et du prince William étaient excités par leur rentrée scolaire. Ils semblaient être détendus et pouvaient compter sur le soutien du prince George et de la princesse Charlotte, qui ont déjà vécu plusieurs rentrées scolaires. Pour la première fois, les trois enfants des Cambridge vont fouler une école en même temps. Selon les propos du prétendant au trône, ces enfants étaient excités à l'idée de faire leur entrée scolaire. Bienvenue à Lambrook. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Nous sommes très excités pour l'année à venir, a lancé le directeur de l'établissement, M. Perry. Pour cette rentrée scolaire, les parents ont fait le choix de choisir une école dans laquelle ils ont confiance. Seulement, ils vont mettre la main à leur portefeuille puisqu'ils vont devoir débourser 50 000 livres par an au total pour leurs trois enfants. Pour cette rentrée scolaire, le duc et la duchesse de Cambridge ont pris le temps de rester quelques heures avec leurs enfants. Ils ont également échangé avec le personnel enseignant mais aussi avec l'épouse du directeur, Jenny Perry, qui travaille dans l'équipe pastorale. Bienvenue à Lambrook, leur a-t-elle lancé. Le prince Louis s'était fait remarquer lors du jubilé de la reine. Si le prince Louis s'est une nouvelle fois fait démarquer par son attitude, ce n'est pas la première fois qu'il fait rire ses parents et l'ensemble du monde. Lors du jubilé de la reine Elisabeth II, il en avait fait voir de toutes les couleurs à sa mère. Il avait tout simplement volé la vedette à son arrière-grand-mère. Lorsqu'il avait rejoint la reine sur le balcon pour saluer la foule, il s'était montré très impressionné et avait poussé un cri de détresse avant de se boucher les oreilles. S'il avait eu une telle réaction, c'est parce que les avions de chasse de la Royal Air Force faisaient énormément de bruit. Sur les réseaux sociaux, les internautes avaient été nombreux à remarquer la réaction hilarante du petit garçon. Seulement, quelques minutes plus tard, il semblait s'ennuyer. Il avait été vu en train de faire de nombreuses moues, des grimaces, ou en train d'échanger des petits mots alors que le moment aurait dû être d'une grande solennité. Un peu plus tard lors du jubilé, il s'était une nouvelle fois fait remarquer et s'était fait remettre à sa place par l'ancien rugbyman Mike Tyndall, époux de Zara Tyndall, qui était assis juste derrière lui.
je taille à l'œil, lui aurait-il affirmé, selon des informations publiées par Hello Magazine. Kate Middleton aurait également tenté de tenir son fils, sans vraiment y parvenir. Le prince Louis est derrière sa sœur dans l'ordre de succession. Pour rappel, le prince Louis est le petit dernier des enfants du prince William et de Kate Middleton. Il a pointé le bout de son nez le 23 avril 2018, à 11h01, heure locale, au St Mary Hospital de Paddington à Londres, et avait été présenté au monde entier seulement quelques heures plus tard, comme le veut la tradition pour la famille royale britannique. Il a beaucoup moins de pression que son grand frère sur ses épaules puisqu'il n'est que le cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique, ainsi qu'au trône des 14 autres royaumes du Commonwealth, après son grand-père Charles, prince de Galles, son père William, duc de Cambridge, son frère George et sa sœur Charlotte. Comme le veut l'acte de succession à la couronne de 2013, il reste bien derrière sa grande sœur dans l'ordre de succession. À sa naissance, le prince Louis pesait 3,8 kg. Les fans de la famille royale avaient dû attendre 4 jours plus tard, soit le 27 avril 2018, pour découvrir les prénoms de l'enfant, Louis Arthur Charles. Le prénom Louis fait référence à Lord Louis Mountbatten, grand-oncle paternel du prince de Galles et dernier gouverneur général des Indes et vice-roi des Indes, mort assassiné par l'IRA provisoire. Il sera baptisé le 9 juillet 2018 et a de nombreux parrains et marraines. Nicolas Van Cutsem, un homme d'affaires, frère d'un des parrains du prince George, Guy Pelly, homme d'affaires de 31 ans, Harry Aubrey Fletcher, un ami d'enfance de William, Lady Laura Mead, épouse de James Mead, amie de William. Anna Carter, amie d'enfance de Kate. Lucy Middleton, cousine de Kate. De quoi être bien soutenu tout au long de sa vie et avoir toujours quelqu'un vers qui se tourner.